Bien. Autre solution. Là, je vais faire sélection, désélectionner. Autre solution. Je vais d'abord aller sur le calque ici, effacer les pixels qui ne concernent pas l'iPod, puisque ça vient d'une feuille où il y avait des choses autour. Donc, le calque là est bien activé. Vous avez la gomme. Vous allez juste aller gommer ce qui concerne pas l'iPod. Et bien sûr, vous allez étendre la dimension du pinceau avec CTRL-ALT, clic gauche sur le Mac, clic droit sur le PC, et vous allez juste effacer les pixels là. Voilà. Généralement, on préfère masquer dans Photoshop, mais là, exceptionnellement, on va effacer les pixels. Donc, vous avez tous trouvé la gomme, j'imagine. Voilà. CTRL-ALT, clic gauche, bouger de gauche à droite, c'est la dimension. On a effacé donc avec la gomme les pixels qui étaient sur le calque.